Au niveau de la région Bretagne, depuis 2010, on a une vingtaine de projets très importants en construction bois, donc essentiellement en bois local et ou du bois labellisé de qualité, je dirais. L'atout du bois quand même, c'est une année 2015 consacrée au climat. C'est le matériau par excellence qui stocke le carbone. Et pour nous, c'est évidemment le matériau noble par excellence de ce point de vue. Autre aspect qui pour nous est important, c'est la qualité de vie dans le matériau bois, puisqu'on l'utilise aussi beaucoup en intérieur. Et c'est quelque chose de très apaisant et donc très positif. On s'est inscrit dans les filières d'avenir au niveau d'État. Il y a, je crois, une vingtaine de filières d'avenir qui ont été nommées l'année dernière, et le bois en est une, parce qu'il y a un vrai potentiel de développement en termes de construction notamment, mais aussi dans tous les usages du bois, et on voit bien qu'on peut relocaliser un certain nombre d'usages du bois en France, quoi. Il faut garder à l'esprit aussi cette idée qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et que la forêt n'est pas incompatible avec l'agriculture. Très souvent, l'agriculteur est forestier. Et donc, si on peut développer la forêt, c'est aussi au bénéfice du monde rural, du monde agricole.